je sais que je sors de cours. D'ailleurs, sorte de cours, ça devrait faire un moment qu'elle devrait être là. La pioche, là. Micheline. Non, mais on avait dit 19h quand même. Hein. Ouais, il va être 20h. Ouais, mais pourquoi vous l'avez invitée d'ailleurs? Parce qu'elle est gentille. Tout le monde mais déjà, la soirée dansée, elle arrive en retard. Hein. Bah, elle arrive tout le temps. Oui, elle arrive en retard. Vous avez trouvé comment la soirée dansée? Bon, ça va. Un peu bizarre parfois. T'as pas trouvé des gens un peu bizarres là-bas? J'avoue, il y a des gens qui étaient pas déguisés aussi. Parce que nous, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, je vous ai pas raconté le pantalon, une patte d'ève blanc. Jusque là, il était noir. C'est elle, hein? À tous les coups, c'est elle. Du coup, j'ai une heure de retard, ça va? Moi, je vais pisser. J'ai donné à ma grand-mère et tout. Pas enfin. Oui, c'est elle. Salut. Salut. On n'est même pas compte de ce qui vient m'arriver. La journée était déjà pourrie, mais en plus, je suis tombée en panne au moment où j'allais vous rejoindre. Rien pour me sortir de cette galère. Je comptais appeler l'un d'entre vous pour vous dire que j'étais en retard. Et un mec magnifique était en train de fumer sa clope sur son balcon. Il m'a vu galérer, il est venu me voir pour savoir si j'étais vraiment en panne. Du coup, il m'a apporté des pinces et puis il m'a proposé d'aller boire un café chez lui. Bon, j'allais pas refuser. Tu peux venir m'aider? Connard. Putain de connard de merde. Bon, je vais me rincer les mains. En parlant de beau mec, vous avez dit là je m'étais inscrite sur le site de rencontre. Et ben j'ai rencontré un mec, il s'appelle Damien. Ah la chance! Et il m'a invité au meilleur rendez-vous de ma vie. Le mec était vraiment trop stylé, genre, mais trop beau. Et enfin, limite, il m'a ébloui quoi. C'était dans quel resto? Au paradis. S'il vous plaît, deux cafés. Hein. Je suis pressé, hein. Je sais que c'est le boulot. Et donc moi, je fais des études de commencement. Ah, t'es encore en études? Bah oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc moi, là, j'habite où? Mais qu'est-ce que je fous là? On me raconte sa vie, j'en ai rien à faire, c'est pas possible. Et regarde là, blablabla, blablabla. Elle me parle encore une seule fois de son chien, je l'étrangle. Qu'est-ce que je peux faire pour l'emmerder un peu? Tiens le couteau. Ah, tu réagis même pas. Hello, franchement. Il m'écoute pas du tout. Arrête ça, je vois plus rien. Arrête, c'est quoi cette technique de drague à la con là? L'année dernière, sauf que j'ai fait un resto basket. Mais non, t'es sérieux? Donc en fait, j'avais pas de quoi payer et je m'en suis rendu compte, mais que après avoir mangé. Du coup, en fait, le serveur il m'a coursé parce que je me suis barré en courant, mais genre d'un seul coup j'ai pris mes affaires et tout. Et en fait, bah. Non, mais du coup, il a même pas réussi à me rattraper, je suis trop fière. Ah, Non mais j'avoue j'étais un peu bête mais bon en même temps j'avais pas le choix. Tu veux un verre toi? Ah non merci j'ai trop bu là. Non mais d'où t'as trop bu aujourd'hui là? Non là non mais hier j'ai eu putain de soirée donc du coup j'ai pas envie de boire. Bah sérieux raconte. Bon on va chercher à boire s'il te plaît. Bah c'était énorme, c'était vraiment un truc de dingue, on était genre 60 dans un appart, c'était vraiment phénoménal. Ah ok. Plein de mecs et ouais c'était vraiment une soirée de malade. Thank you.
Tiens, restez là. Merci. Richard, je crois que j'ai oublié d'éteindre les lumières parce que... Excuse-toi, oui. Il y a la petite lampe là. Hein, non, je vais la laisser s'allumer. Je pense. C'est bon, la loulou, ça. On y est. Allez, toi, ton écharpe, Clémence. Ah, merci, meuf. T'oublies tout, toi. Ça, ça change que les lumières. Allez. Et toi, besoin de la lumière plus large. Ah, merde. Non, mais c'est bon, okay. je vais éteindre. Celle-là. Voilà. Ah, celle-là. On y va. Ah ouais, de toute façon j'ai mis une baigne et il est tombé par terre, un truc comme ça. Si, je te jure. T'es lié en fait, ouais. Trois héros. Ouais. Bon, en fin de compte, on va passer par là, t'as vu, j'ai... Non, mais c'est bon. Non, mais c'est pas là. Mais j'ai... Qu'il l'eût cru, déplore la perte de l'équipe. Oh ta gueule!